Et c'est une rencontre sans enjeu qui attendait les Albigeois face aux Carcassonnais. Les Albigeois qui voulaient redorer le blason et surtout offrir une belle sortie à des joueurs qui vont quitter le club. Les Albigeois se mettent à la faute dès la première minute de jeu sur le coup d'envoi de cette rencontre. Felipe Berchezzi ouvre le score 3-0. Loïc Le Gall va répondre sur une forte carcassonnaise de hors-jeu 3 partout. Un mol pénétrant qui part des 22 mètres sur touche, lancement propre, on est à 5 mètres de la ligne. C'est toujours Malik Djebabla qui a impulsé ce mol et avec l'aide de ses trois quarts, il va s'affaler dans l'embut pour le premier essai des Albigeois face à Carcassonne. Albi maîtrise depuis un quart d'heure cette rencontre, 8-3 parce que cet essai ne sera pas transformé par Loïc Le Gall dans sa première tentative de transformation. Vincent Mallet qui part sur les extérieurs, retrouve Barthélémy qui lui saute et trouve directement Loïc Le Gall qui n'a pas libéré son ballon après contact, passage par le sol. Juan Chatoreno retrouve Barthélémy qui s'est replacé, qui sert Mathieu André au relais. Fixation de la troisième ligne et c'est maintenant Nakiri, le centre albigeois, qui retrouve l'axe du terrain et libère César Damiani et son double maître pour le deuxième essai des Albigeois. À la 25e minute de jeu, Albi s'envole un petit peu au score, 13-3. Loïc Le Gall ne réussit pas sa deuxième transformation consécutivement. Malik Amadash, le futur palois qui vient de s'engager avec la section pour 2 ans en top 14, se joue de la défense. Il retrouve Rokoudourou qui lui voit l'intervalle, met de l'avancée. Il n'est pas plaqué, il repart. Déblayage de Calas avec Damiani, Djebabla et Chatoreno sans le coup sur les extérieurs. Vincent Faré sur un pas pour Ledua Mo qui marque son premier essai. Déjà le bonus offensif au bout de 30 minutes de jeu pour les Albigeois. Juan Chatoreno va se faire la malle dans ce match. Il est parti et après accord de M. Castagnède, l'essai sera refusé avec concertation de l'arbitre dans les deuxièmes mi-temps. Reparti sur le même rythme, une superbe combinaison de trois quarts où les Duhamo viennent se proposer, arrivent à hauteur, trouvent l'intervalle et marquent un doublé ce soir au Stadium Municipal d'Albi. La transformation de Loïc Le Gall passe ce coup-ci, il a réglé la mire et les Carcassonnais n'avaient surtout pas besoin de se retrouver en infériorité numérique puisque François Bordevie va prendre un carton jaune et laisser ses coéquipiers à 14 souffrir de nouveau sur un mol pénétrant, toujours impulsé par Malik Djebabla. Le ballon a été pris à deux mains en touche et la puissance albigeoise est là avec les trois quarts. Malik Djebabla, lui aussi, comme les du hameau, va marquer son doublé dans la soirée. Loïc Le Gall est toujours bien dans les tirs au but. Il va transformer cet essai pour porter le score à 32-3, la 51e minute de jeu. Albi s'envole, mais le banc de touche carcassonné va faire énormément de bien avec l'entrée de cadre et surtout cet essai d'Emmanuel Etienne, le capitaine carcassonné emblématique qui ramène son équipe. Felipe Berchezzi essaye de transformer, il touche le haut de poteau, fait très rare. En tout cas, le score est de 32-8. Le matelas est confortable pour les Albigeois. Les Albigeois vont se montrer un petit peu indisciplinés en fin de rencontre. Loïc Le Gall va prendre un carton jaune. Et sur une offensive des Carcassonnais, Julien Gros va partir dans l'embut, marquer cet essai. Non, il va faire en avant. Mais M. Castagnède, sur cette action, va accorder un essai de pénalité aux Carcassonnais pour multiplication de fautes de hors-jeu des Albigeois. L'essai transformé par Felipe Berchezzi. Score un peu moins lourd pour les Carcassonnais. 32-13. Pour Albi à la 66e. Les Albigeois n'en ont pas terminé avec leur festival offensif. Romain Barthélémy arrive, très puissant ce soir. Le public demande une faute, une cravate, mais Barthélémy repart, il est inarrêtable et avec l'aide de ses coéquipiers va s'enfoncer dans l'embut. 6-2 dans cette partie. Albi gagne 37-15 et une victoire bonifiée pour le SCA. Cela valait bien une photo de groupe.